James Webb, sa particularité, c'est qu'il sera aussi positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est ce qu'on appelle le point de Lagrange, L2, un point d'équilibre hein, de dynamique entre la Terre et le Soleil. Donc le satellite va pouvoir rester de façon un peu stable sur ce point-là, et il aura un grand pare solaire qui va pouvoir le protéger des rayons du Soleil pour pouvoir scruter de façon la plus optimisée possible dans l'obscurité du cosmos.